plus de 10 ans, la banane de Guadeloupe et Martinique œuvre à la valorisation et à la protection de la terre des Antilles. Au cœur de ces actions, la mise en place de nouvelles pratiques culturales qui ont d'ores et déjà permis de diminuer l'utilisation des pesticides de 70%. Des procédés innovants ont été mis en place pour remplacer l'utilisation d'insecticides, comme par exemple le piège à phéromones pour lutter contre les charançons. Nous sommes ici sur la plantation Luc Poumarou, qui est une plantation de 60 hectares de bananes, qui est située à peu près à 300 mètres d'altitude, entre 260 mètres et 300 mètres d'altitude. Et dans cette zone, qui est très humide, c'est une zone qui est très favorable au développement des charançons, qui est un insecte nuisible des bananiers. S'il y a eu jachère auparavant, la population de charançons devient importante à partir de la deuxième ou de la troisième année. Nous commençons la lutte dès le départ, mais avec une densité de pièges qui est assez limitée, de l'ordre de 4 pièges à l'hectare. Puis, à partir de la deuxième année où la population de charançons a augmenté, et nous le voyons dans les piégeages que nous faisons, nous passons la densité de pièges à 8, voire jusqu'à 20 pièges par hectare. Qu'est-ce qu'un piège? Alors, c'est ceci. Ils sont jaunes pour qu'on puisse les voir de loin. Dedans, nous mettons une fiole ou alors un sachet qui contient une phéromone d'attraction grégaire, je dirais. Ce n'est pas une phéromone sexuelle, ça veut dire que les mâles et les femelles viennent, sont attirés par cette phéromone. Ce piège est situé au niveau du sol, donc le charançon rentre dedans et tombe dedans, et il ne peut pas remonter. Et donc le piégeage des charançons à l'aide de ces pièges permet une lutte propre, puisqu'en fin de compte, aucun produit ne va dans la nature. Il faut savoir que le produit qui est ici, c'est une phéromone qui est en fin de compte, ça sent très bon, on la boirait presque, parce que ça sent la banane, en quelque sorte, puisque les charançons sont attirés par les bananiers, et bien ils sont attirés par tout ce qui sent la banane. Et donc, en fin de compte, ce n'est pas un produit chimique, hein, c'est un produit naturel. Donc l'intérêt de la lutte contre les charançons, eh bien, c'est essentiellement un intérêt environnemental. En vue de l'homologation d'ici à 2 ans de produits d'origine biologique de lutte contre les divers parasites du bananier, une série de tests est menée par l'Institut technique de la banane en partenariat avec le Centre technique de la canne à sucre. Parmi ces tests, cette expérimentation de nouveaux produits naturels pour lutter contre la cercosporiose jaune, un micro-champignon nuisible qui amène à la destruction totale des bananeraies. Une lutte indispensable et rendue obligatoire par l'État. Alors, ce champignon se propage dans l'air, soit par l'air, soit par la pluie, avec le ruissellement de l'eau sous les feuilles, entre les feuilles du haut et les feuilles du bas du bananier, et à longue distance, c'est par l'air. C'est un champignon qui vit aux dépens de la feuille, c'est la cercosporiose jaune du bananier, que nous trouvons aux Antilles, dans la Caraïbe, et qui évolue en fonction des conditions météorologiques. L'inconvénient de cette maladie, c'est qu'elle détruit les parties vertes des feuilles, donc qui dit destruction des parties vertes, donc baisse de la photosynthèse et baisse du rendement enfoui. L'Institut technique de la banane a souhaité mettre l'accent sur la recherche de molécules d'origine biologique ou d'origine naturelle, de type extrait de thé, essence d'orange. Donc il s'agit de rechercher des produits efficaces qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Aujourd'hui, grâce à la recherche, les producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique souhaitent encore aller plus loin. Dans 6 ans, arrêter totalement les produits phytosanitaires en remplaçant leur utilisation par des pratiques culturelles innovantes, des produits de lutte biologique et des nouvelles variétés de bananiers. Bananes de Guadeloupe et Martinique, c'est FOSS Pays Nous.